Salut, c'est Clément. Je suis toujours en train de lire La Liberté de Osho. Et dedans, il parle d'authenticité. Bon, il y a des choses que j'aime bien, il y a des choses que j'aime moins bien. Mais dedans, il y a un passage sur l'authenticité que j'ai trouvé intéressant. Et je vais vous lire juste un petit extrait rapide. Il dit, la réponse, donc savoir répondre, savoir réagir de façon responsable, il dit, la réponse est responsabilité. La réponse est authenticité. La réponse, c'est vivre dans le moment présent. Et il dit, l'individu conscient et libre ne prend aucune décision à l'avance, il n'a pas de réponse toute faite, il avance avec fraîcheur et innocence, il n'est absolument pas corrompu par le passé. Donc ça c'est vachement intéressant, je vois énormément de gens dans ce milieu de la communauté de la séduction qui ne vivent que à travers leur passé dans les interactions avec les femmes, c'est-à-dire que à tout moment, ils vont être soit, s'ils ont souffert beaucoup et qu'ils n'ont pas fait la paix avec ça, ils vont être méfiants avec les femmes, ils vont être dans le contrôle, ils vont tenter de tout gérer, ils vont tenter de faire qu'absolument toutes les filles qu'ils abordent soient intéressées par eux, et essayer vraiment de tout maîtriser. Alors que la personne qui ne se prend pas la tête sur le passé, la personne qui laisse ça de côté et qui essaie d'être vraiment dans le présent, dans la découverte de l'autre, nécessairement agira en fonction de ce qui est vrai pour elle aujourd'hui et donc de ce qui est authentique. Parce que le truc, c'est que ce que vous étiez il y a un mois, c'est pas ce que vous êtes aujourd'hui. Donc si vous agissez en fonction de ce qui s'est passé il y a un mois, vous n'êtes pas authentique à ce moment-là. Voilà, c'est un petit. J'imagine c'est pas évident à percevoir, ça demandera à y réfléchir un petit peu plus, mais c'est un petit tip que Osho donne sur l'authenticité qui me paraissait intéressant de vous partager. C'est tout pour cette vidéo, en attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Thank you.